الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله عز وجل في كتابه العظيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ففي هذه الآية الله سبحانه وتعالى يدمونتر أن هذا الدين لكامل اليوم أكملت لكم دينكم قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي كذلك dans ce verset الله سبحانه وتعالى يدمونتر أن هذا الدين c'est une نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا donc أخي الكريم on doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour cette ni'ma. Wahdhar, fais attention, li'anna a'da Allah azza wa jal min al-kafara wal munafiqin, ils font tout pour salir hadha ad-din. Et ils font tout pour t'enlever cette ni'ma. Fa'anta en tant que muslim, awwalan, tu dois connaître et reconnaître que hadha ad-din il est kamel. Ce din il est complet. Tout ce qu'on a besoin fi hadhihi al-hayat, Allah subhanahu wa ta'ala il nous l'a cité fi al-Qur'an al-Karim. Et son prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a démontré, détaillé fi sunnatihi al-azim. Donc tu dois être fier de ton din. Tu dois reconnaître que c'est une ni'ma kam min al-nas inharafu kam min al-nas ils sont fi al-dhulumat al-jahl. Comme min al-nas, ils ressentent pas cette tranquillité que tu ressens avec ce din. Comme min al-nas, ils ont des problèmes avec eux-mêmes, avec leur famille, avec leurs épouses, avec le mujtama' dans lequel ils vivent. Comme min al-nas, ils savent plus comment s'en sortir. Les madha, les anna, ils ont pas ce din. Ils ont pas cette ni'ma sur laquelle tu peux te reposer, qui te montre ce que tu as besoin, qui t'aide à patienter. Tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala, tu suis son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une ni'ma azima. Fais attention à hada, tu dois faire des efforts pour connaître ton din, et tu connaîtras ton din en faisant des recherches et en étudiant les sources, al-Qur'an wa sunnah. Tu ne connaîtras pas ton din avec les médias. Tu ne connaîtras pas ton din par l'intermédiaire des ennemis de ce din. Ils le combattent leilan wa nahara. Donc, on fait des efforts pour connaître notre din et on fait des efforts pour l'appliquer. Et notre din, comme Asayati Ma'ana dans cette risala qu'on va lire, il est fondé sur des règles. Notre din, il est venu pour nous guider. Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre des livres pour ton bien, ayyuhal abd. Qala al-imam Ibn Kathir rahimahullah, hadhihi akbaru ni'amillahi 'azza wa jalla 'ala hadhihi al-umma. La plus grande ni'ma sur cette communauté, le plus grand bienfait, c'est ce din, al-islam. Qala على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم. Et ça c'est important. Ce din,
Tu n'as pas besoin d'autre chose. Ne recherche pas la guider dans autre. La guider, elle est fi din l'islam. Pourquoi? Celui qui a révélé ce din, c'est le créateur de la wa'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Celui qui se détourne, il ne veut pas suivre ce din, il aura une vie de ta'b. Il sera ressuscité يَوْمَ الْقِيَامَةِ aveugle. Et il souffrira في الدنيا et في الآخرة. Donc tu n'as pas besoin d'autre chose. هذا الدين est complet. Et celui qui t'a ordonné de le suivre, c'est رب العباد. C'est le créateur de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. قال الإمام الكثير ولا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم. قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Celui qui recherche un autre din, il veut suivre un autre din que din l'islam et suivre un autre nabi que notre prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, suivre autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, هذا il est في خسارة. هذا il va à sa perte, عيادا بالله. قال ولهذا جعل الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الناس والجن فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه. Donc notre référence c'est les sources, le Coran et la Sunna. Les choses qui sont autorisées, tu les trouveras في القرآن. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam كذلك il les a cités في السنة. Et il a détaillé et il a cité des choses qui ne sont pas faites dans le Coran. Donc tu dois revenir à ces deux sources. Le halal, le haram. Ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Comment tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est cité dans des sources. « وَلَا دِينَ إِلَّا مَا شَرَعَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ أَخْبَرَ بِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَصِدْقٌ لَا كَذِبَ فِيهِ » كذلك, notre aqida est fondée sur ces textes. Le Coran ou le Sunnah. Tout ce qui est cité dans ces textes, c'est haq. Même si certaines personnes, ils n'acceptent pas ou ils contredisent. قال كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. Donc tout ce qui vient من الله سبحانه وتعالى, c'est du صدق et c'est من العدل. C'est la vérité et c'est la justice. Ne recherche pas la vérité dans autre que Hadd-Din. Ne crois pas que tu trouveras la justice dans autre que Din al-Islam. Ay, sidqan fil akhbar wa adlan fil awamir wa nawahi falamma akmala ad-din lahum tammat an-ni'ma alayhim. Tammat an-ni'matu alayhim wa li hadha qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a complété, il a parachevé son dé avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui révélant Al-Qur'an Al-Karim. Tout ça, c'est une ni'ma que tu dois prendre en considération, ayyuha al-mu'min. Qala al-imam ibn Kathir, ay, fa'ardaw antum li anfusikum, fa'innahu ad-din alladhi radiyahu Allah wa ahabbahu wa ba'atha bihi afdal rusulihi al-kiram. وأنزل به أشرف كتبه. Donc أنت الله سبحانه وتعالى إلى أغري pour nous ce din, أنت كذلك accepte-le pour toi-même. لأن c'est un din كامل. الله سبحانه وتعالى pour révéler ce din, il a envoyé le meilleur de ses messagers, أفضلهم, notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, et il a descendu le meilleur de ses livres, القرآن الكريم. Il a abrogé tous les autres livres. Donc pourquoi te priver, أخي الكريم? N'aie pas des doutes. L'époque où on vit, Al-Kuffar, ils ont beaucoup de moyens pour salir la religion. Ça n'est pas de doute. N'aie pas de doute. Ce khayr, ce haq, ils n'en ont pas profité pour plusieurs raisons. L'orgueil, leur ignorance, leur mauvaise compréhension, leur jalousie, etc. Ça ne te prive pas. Ils veulent te priver. Hum. Kama akhbar Allahu Azza wa Jal. وَلَنْ تَرَضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُمْ. Ce qu'ils veulent, c'est que tu les suives. حَتَّى ils sont satisfaits de toi. أَنْتَ لَا T'as ce din que Allah subhanahu wa ta'ala il a agréé pour toi. Ce din que Allah subhanahu wa ta'ala il a agréé.
Ce dîn que Allah subhanahu wa ta'ala il a accepté, il a révélé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça te suffit. Mais le kafir il te sera d'aucune utilité. Et les efforts qu'ils font un pour salir l'islam, ça ne change pas grand chose. Il y en a le haqq, c'est le haqq. Et celui que Allah subhanahu wa ta'ala il facilite, Inch'Allah, il ne donnera aucun poids à leurs accusations. Qala al-allama al-shaykh Salih al-Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala fi i'lam al-anam, sharh kitab fada'il, ou fadl al-islam, c'est un kitab nafi' fadl al-islam, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Et Shaykh al-Fawzan, il l'a expliqué. Une risala mukhtasara, et il explique les bienfaits de l'islam. Qala wa fi hadha raddun, ay le verset اليوم اكملت لكم دينكم وفي هذا رد على الذين ينتقصون الاسلام وانه لا يصلح لكل زمان مثل الملاحده الذين يقولون ان الاسلام للاجيال مضت والزمان قد تغير فالاسلام لا يصلح لاخر الزمان. Attention à ces shubuhat. Fais attention اخي الكريم. بعض الناس ils veulent pas notre khair. Al kuffar ils veulent pas ton khair. C'est pour ça que ils disent que l'islam, بعضهم ils le disent pas directement, لكن c'est ce qu'ils veulent transmettre en humain. Un islam comme il était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était adapté à l'époque. Beaucoup de choses pour eux, c'est plus adapté pour l'époque où on vit. C'est pour ça qu'ils demandent un changement. L'islam de France, il faut revoir certaines choses, il faut s'adapter, il faut vivre avec son temps. Tout ça, c'est minal inhiraf wa dalil. Il faut vivre avec le haqq. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Suis son prophète et tu auras al-jannah, jannat al-khuld. Amma, il faut vivre avec ton temps. Tout ce qui cite ha'oula al-kafara, c'est pas pour ton bien. Qala al-shaykh, hafidhahullah, fallahu ta'ala yarut alayhim bihadhi al-aya. Ce dîn, il est calme. Pourquoi ils prétendent que c'est plus adapté alors que Allah Azza wa Jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah subhanahu wa ta'ala, son din il est complet et il l'a révélé bihaq jusqu'à yawm al-qiyam. Et anta ta'abd, on est des créatures, nous, on doit se soumettre au créateur. Enfin, pourquoi prétendre hada bi ay haqq bi ay dalil? Amma que ça vient d'un kafir, c'est pas étonnant, c'est un kafir. Lakin ka muslim, un muslim qui est saddaq, qui rend véridique ses paroles, et ça lui met des doutes, ça devient la proie de ha'oula. Et c'est ce qu'ils veulent. Fahdhar, akhi al-karim. Fais des efforts dans ton dîn. Fréquente al-muslimin. Fais attention à ne pas te mélanger avec le kafara. Ils ont des shubuhat khatira. Ou al-qulub da'ifa. On est faible. Et ils ont des ambiguïtés. Na'oudu billah. Ba'd al-nas, ba'd al-muslimin, qad yaghtarroun. Donc on fait des efforts fil ilm. On fait des efforts à fréquenter al-akhya, à s'écarter de l'ashrar, et on fait dua que Allah subhanahu wa ta'ala il nous préserve, et il préserve pour nous cette ni'ma din l'islam. Qala fa Allah ta'ala yarud alayhim bi hadhihi al-aya fa idha qasarat al-afham ba'd an-nas 'an fahm al-islam fal'ayb laysa fi al-islam. Ça c'est un tanbih tayyib. Si certaines personnes y comprennent mal l'islam, ça veut pas dire que l'islam c'est il y a un manque, il est pas complet. Ou كذلك si personnes elles font des choses au nom de l'islam, des choses mauvaises, ça ne veut pas dire que l'islam il est mauvais. Et celui qui est juste et qui est objectif, il fait une différence entre le din comme il a été révélé dans les sources et ce que les gens ils font de ce din. لأن نحن on y pas na بعض الناس, ils font des choses au nom de l'islam et c'est contraire à l'islam. Prends l'exemple de Juhal Daesh. Al-Mujrimoun. On n'y parle pas, il y a des égarés qui font des choses au nom de l'islam, mais ça ne veut pas dire que l'islam, c'est cette chose. Et tu trouves que le kuffar, vous avez remarqué qu'ils appuient beaucoup sur ces choses, alors que c'est une minorité. Et ils ne prennent pas le amal des salihin, qui rejettent, que ce soit les attentats, les tueries, etc. Enfin, si vous êtes véridique, pourquoi vous prenez les faits de cette minorité qui contredit l'islam, et vous ne prenez pas la vie ou le constat des autres musulmans? Et nous, on va encore plus loin. Pourquoi vous ne revenez pas au texte? Et tu verras que les textes, ils n'appellent pas aux attentats et aux tueries à Beden. Lakin, vu que les kuffars, ils se servent de hada, ils salissent l'image.
l'islam radical. Toute la journée, l'islam radical, l'islam radical. Hatta بعض الناس الآن يفون l'amalgame. بعض الناس ils mélangent. بعض الناس ils s'affluent ils ont le haq. Ils ont peur de ce dîn. C'est pour ça que nous on fait des efforts à propager dîn al-haq et كذلك on lit ce genre de rasail pour démontrer أن دين الإسلام il appelle à كل خير. Il appelle au bien. Et il met en garde contre كل الشر, contre le mal. Si الإنسان veut الحق, الحق il est واضح. Et s'il ne veut pas الحق, il fait du mal qu'à lui-même. قال الشيخ الفوزان قال فالعيب ليس في الإسلام وإنما في فهم بعض الناس وإلا فالدين كامل وصالح وشامل المصالح وشامل لمصالح العباد. Il a un taqoum as-sa'a. Donc, le problème, ce n'est pas fait l'islam. L'islam, c'est dinullah al-haq. Lakin, le problème, certaines personnes, ils ont une mauvaise compréhension, certaines personnes, ils font des choses. Lakin, tu ne peux pas mettre ça au nom de l'islam. On fait une différence, nahnu, et tous ceux qui sont objectifs, qui veulent l'haq, ils savent la différence entre ceux qui font une chose au nom de cette chose et la chose elle-même. فالإسلام on le prend de ses sources القرآن والسنة et ces sources on s'accroche même si certains musulmans ils les contredisent لأن on doit tous revenir aux sources كما قال عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم suivez on doit suivre ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé فالإسلام c'est l'istislam لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. C'est ça dîn l'islam الحق. Se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. بالتوحيد. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. On n'adore pas des morts. On n'adore pas des awliya, comme ils les appellent. On appelle pas, on n'adore pas des anges. On n'adore pas un prophète. On n'adore pas des arbres, des pierres. وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. C'est ça dîn الله الحق. الانقياد له بالطاعة. كذلك on se soumet. Et on ne croit pas au khurafat des kuffars. Vous êtes libres, vous êtes égaux. Tout ça c'est batil. Al-anqiyad lahu bitta'a. On se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui nous a ordonné ou ce qui nous a interdit, c'est pour notre bien. Amma la liberté, tu fais ce que tu veux. Ça c'est pas pour ton bien, akhi al-karim. Limadha? Li'anna al-mu'min al-muslim il a une aqida annahu il sera jugé. Et c'est ça l'iman bil-ghaib, c'est ça un mu'min. Il a cette aqida annahu, il croit en Allah, il croit au messager, il croit aux anges, il croit au qadar, et il croit au livre, et il croit au jour dernier. Il croit yawm al-qiyamah, tout ce qui viendra après la mort. Et parmi ces choses, annahu, il sera jugé. Donc, c'est d'aucune utilité, je suis libre. T'es libre, et si tu meurs, et tu seras jugé, famada sataqul. T'es un muslim, fala taqdar bi afkar al-kuffar. Annahum, ils veulent t'éloigner de ton dîn avec ses afkars. Vous êtes tous égaux, kadib, c'est pas vrai. Vous êtes tous libres, kadib, et vous êtes leur afkar qui cite. Ahada, fahdar, ihdar, akhi al-karim. Al-inqiyad lahu bitta'a. Tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala, limadha li annahu il te jugera et t'a créé que pour ça. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et dans l'autre verset, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Si Allah subhanahu wa ta'ala ou son messager, ils ont ordonné une chose, t'as pas le choix. هكذا قال الله عز وجل. En tant que musulman, tu crois au Coran, tu dois comprendre, faire des efforts et te soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكُ وَأَهْلِهِ. Détester le shirk, le rejeter, s'en éloigner, wa ahl al-shirk, كذلك al-mushrikun, al-kafara. Tu dois les détester, fillah, t'en écarter et faire attention. Fala taqtar, vous êtes tous égaux, la fraternité, vous êtes tous des frères. Aina awamir Allah subhanahu wa ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billah, wal yawm al-akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasoola. Allah subhanahu wa ta'ala, il démontre que tu ne trouveras pas un mu'min qu'un iman sahih. Aimer les ennemis d'Allah, al-mushrikoun ou al-munafiqoun, et tu trouves, al-kuffar eux-mêmes, ils disent, la fraternité, tu ne dois pas détester les autres. Tu dois aimer le mu'min et détester le kafir, c'est ça, al-islam, al-haq.
ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Et on l'a cité ce verset pour te démontrer, on a cette ni'ma, accroche-toi. Ne cherche pas le khayr dans autre que l'islam. C'est une porte d'égarement. Qala al-Sheikh Sa'di rahmatullah alayhi dans son tafsir, ay man yadinu lillah bi ghayri din al-islam alladhi irtadahu Allah li'ibadihi fa'amaluhu mardud. Celui qui prend une autre religion autre que celle de l'islam et veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec autre que l'islam, façon amal il est mardoud, ghayr maqbul, ses œuvres elles sont pas acceptées. قال لأن دين الإسلام هو المتضمن للاستسلام لله إخلاصا وانقيادا لرسله فما لم يأتي به العبد لم يأتي بسببه النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه وكل دين سواه فباطل. Donc الاستسلام والانقياد. On fait pas ce qu'on veut. مصيبة الآن أن بعض الناس يكون الإسلام comme ils veulent. Et ils citent de l'islam que ce qui et ils citent de l'islam et ils propagent de l'islam que ce qui ne va pas en l'encontre des koufars. Vous avez remarqué, hada? En l'islam, il faut respecter le voisin. En l'islam, il faut être doux. En l'islam, il faut respecter la femme. Tout ça, c'est haq. Mais ils ne citent pas les autres choses. الاستسلام لله تدوتسوم être aux ordres d'Allah ولو كره الكافرون. C'est ça l'islam, le haq. كذلك بعض الناس الآن بوضوح أنهم يبغون changer l'islam de France. L'islam c'est دين الله. إن الدين عند الله الإسلام. Et ce دين il est adapté à tout temps, toute époque, à tout lieu. Enfin, pourquoi changer par rapport à un pays? Ça veut dire que les autres لو يعقلون, s'ils réfléchiraient, ça veut dire que l'islam de France, ça veut dire que l'islam au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, c'est un islam qui est mauvais, qui est radical, qui peut faire du mal. C'est pour ça qu'eux, ils veulent changer. Est-ce que tu acceptes ça, ayyuha al-muslim? L'islam, c'est din ou l'haq. Si ils ne te laissent pas appliquer et ils ne veulent pas, ils te le disent clairement et tu changes de pays. فَلِهَذَا شَرَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْهِجْرَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas dit de changer notre dîn et s'adapter à l'époque ou au lieu. Il nous a dit d'appliquer si on ne peut pas, on se déplace. Ardullah wasi'a. Lakin kathir min al-nas, ils combattent Ahlul Haq et ils combattent dîn al-Haq. Pourquoi? Pour satisfaire al-A'da. Qala, aw intahayna min kalam Sheikh Sa'di. Fahmadillah, akhi al-Muslim. Ihmadillah ala hadhihi ni'ma, c'est une ni'ma azima. Beaucoup de gens, ils ont été privés de cette ni'ma à cause de leur orgueil, à cause de leur genou. Les annahum, ils l'ont rejeté, ils ne veulent pas le haq. Et anta, tu l'as accepté, fais des efforts. Fais des efforts, lakin, sache que si tu t'accroches à ce din, tu seras éprouvé. Et sache que si tu t'accroches à ce din, les ennemis de ce din de l'islam, ils essaieront de te salir. Ils essaieront de t'écarter. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. Ils ne cesseront de vous combattre, قال الله عز وجل, jusqu'à qu'ils vous écartent de cette ni'ma, tant qu'ils peuvent. Fais attention. واشكر الله تعالى بقلبك وبلسانك وبجوارحك. Fais des efforts et sois reconnaissant avec ta langue. Tu dis du khayr, tu lis le Coran, tu prononces bien sûr la shahada. أعمال الخير avec l'islam, بقلبك كذلك. T'as une bonne croyance, t'as une bonne intention. حسن الظن بالله كذلك بإخوانك المؤمنين. T'aimes Allah, t'aimes ses prophètes. T'as une bonne intention, ton but c'est le khair. Tu fais des efforts dans ta aqida, dans ta croyance. Tu détestes le shirk, tu détestes le kufr. وبجوارحك كذلك. Fais des efforts. Sois reconnaissant avec tes membres. La femme, elle doit porter le hijab, le shari. Elle doit faire le salat. L'homme, كذلك, il fait le salat. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ يَنْهَوْنَ عَنِي الْمُنْكَرِ. Celui qui a de l'argent, il zakat, il fait le hajj. On fait des efforts pour le siyam. On fait des efforts dans toutes les obligations. Et كذلك, النوافل, les choses recommandées. Et nous, on est des muslimons, وَلِلَّهِ الْحَمْدِ des ibad. Et on sait que cette vie, c'est dunya. C'est un passage. Et on sait que Al-Haq,
Et Al-Fawz, c'est l'akhira. Et on sait que ça, c'est qu'un passage. Enfin, ce passage, t'es éprouvé, t'es comme un voyageur. Enfin, ne fais pas de cette dunya le but ultime. Là. Al-Kufar, tout ce qu'ils font, c'est pour cette dunya. Là, c'est un passage. Enfin, les faiblesses qu'on a, la pauvreté, les manques dans certaines choses, c'est pas grave. On sait que l'essentiel, c'est de mourir à l'al-haq. Et celui qui meurt à l'ahad al-haq, à l'ahad al-islam, à l'ahad al-tawhid, fa inshaAllah lahu jannat arduha as-samawat wal-ard. Ibn Umar radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, قال, mathalukum wa mathalu ahli al-kitabayn. Et dans une riwaya, wa mathalu al-yahoud wa al-nasara, ka mathali rajulin ista'jara ajiran faqal. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne cet exemple entre nous, al-muslimoun, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui étaient avant nous, al-Yahoud ou al-Nassar. Il donne une image, un exemple, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, avec un homme qui paye un autre homme pour un travail. Faqal, man y'amal li min ghadwatin ila nasf al-nahar ala qirat, fa'amilat al-Yahoud. Cet homme, il dit à l'autre, qui sait, qui travaille pour moi, et il le paye, du matin jusqu'à nisf al-nahar, jusqu'au dhuhr, taqriban. Al-Yahoud, ils ont travaillé, du matin, du fajr, jusqu'au dhuhr, la moitié de la journée. Thumma qal, man y'amal min nisf al-nahar ila salat al-asr ala qira, du dhuhr, la moitié de la journée, jusqu'au Asr. Al-Nasara, ils ont travaillé. Thumma qal, man y'amal min salat al-Asr ila antarib al-shams ala qiratin. Eux, al-Yahoud, du matin, jusqu'à la moitié de la journée, ils ont travaillé pour un qirat. Un qirat, c'est une récompense, c'est une quantité. Al-Nasara, ils ont travaillé un peu moins du dhuhr, la moitié de la journée plutôt, jusqu'au Asr, pour la même quantité, un qirat. Al-Muslimoun, thumma qal, man y'amal min salat al-Asr, ila antarib al-shams ala qiratin. La troisième catégorie, ils ont travaillé du Asr jusqu'au Maghrib, et c'est une petite durée pour le double. La récompense, elle est du double. Fa antum hum, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous êtes la troisième catégorie. Et peu de travail, laquelle la récompense, elle est doublée. فغضبت اليهود والنصارى. Ça, ça te montre qu'ils ne seront jamais satisfaits de nous tant qu'on est sur le haq. Et ça te montre qu'ils sont jaloux et ils ont du haq et du bourd. فغضبت اليهود والنصارى. Et ils ont été en colère. قالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. Pourquoi on a travaillé plus et notre récompense elle est moins que هؤلاء. قال الله عز وجل هل نقصتكم من حقكم شيئا. Est-ce que je vous ai enlevé de votre haq quelque chose? فقالوا لا. Ils ont dit non. فقال عز وجل ذلك فضلي أوتيه من أشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Allah سبحانه وتعالى leur a dit هذا c'est فضلي. Ay, ils ont fait un travail, ils les récompensent plus. Allah سبحانه وتعالى fait ce qu'il veut, malgré que les autres, il n'a pas été injuste envers eux. Tu travailles pour telle somme, si il veut te donner plus, il a le droit de te donner plus. C'est pas de l'injustice. L'essentiel, c'est de ne pas être injuste envers les autres. Ça te montre fadlo hadhihi al-umma ala al-akhari. Donc, ihmadillah subhanahu wa ta'ala que tu es un musulman. Accroche-toi, sois fier de ton din. C'est une fierté normalement. بعض الناس الان ربما il a honte. Et c'est ce qu'il voulait le kafar. ربما il ose plus montrer que c'est un musulman, que ce soit dans l'habillement ou autre. Tout ça, c'est ce qu'ils veulent. Pourquoi? Quel crime t'as fait? T'as rien fait. Les choses qui sont faites au nom de l'islam, si c'est batil, on démontre que c'est batil. Et c'est des menteurs, et ça les arrange eux. Et ils veulent faire du mal à nous en tant que musulmans. On ne doit pas faiblir et baisser les bras. Notre din, c'est din al-haq, c'est din al-adl, c'est din al-rahma. C'est din kullu khayr. فمن محاسن هذا الدين. Parmi les bienfaits qu'on peut citer dans cette introduction,
on peut résumer en quelques points avant de détailler dans le livre qu'on va faire ensemble, inshallah. فمن محاسن هذا الدين العظيم أنه أخرج الإنسان من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد. Ça c'est le premier bienfait et la plus grande ni'ma. أن avec ce din, et c'est فضل الله عز وجل على عباده لكن أكثر الناس لا يشكرون, c'est que on est sorti de l'adoration des créatures. Walillahi alhamd, on adore Rabb al-Ibad, le créateur. Et celui qui a étudié l'histoire, ya'lam hada. Ba'd an-nas, ils adoraient des pierres. Ba'd an-nas, ils adoraient des arbres. Ila yawmi hada, ils placent leur confiance sur un mort. Ba'dhum, il a peur des djinns, il a peur des moindres choses. Pourquoi? Son cœur, sa confiance, elle n'est pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Fa la moindre chose, elle lui fait du mal. Fahmadillah azza wa jal. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. In wuffiqta, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé et tu l'adores seul, ihmadillah, c'est la plus grande ni'ma. Et c'est min mahasin had ad-din. Kadhalik, min mahasin هذا الدين parmi les bienfaits de notre din, أن الإسلام c'est دين العدل, c'est la religion de la justice. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الله سبحانه وتعالى il nous a ordonné d'être juste. C'est ça, dinu al-haq. Qala al-allama, al-shaykh Sa'di rahimahullah, fi tafsiri, fal-adlu, alladhi amara allahu bihi yashmal al-adl fi haqqihi wa fi haqq ibadih. Ce adl, est le fait d'être juste, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a ordonné. On doit être juste, fi haqqillah, et kadhalik fi haqq al-ibad. Que ça soit par rapport au din, par rapport à ce que Allah nous a ordonné, ou par rapport au ibad. On doit être juste. Qala fal'adlu fi dhalik ada' al-huquq kamilatan muwaffira bi an yu'addi al-'abd ma awjaba Allah 'alayhi min al-huquq al-maliyah wal-badaniyah. Tu dois être juste en respectant ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Et tu comprends l'an et tu vas t'apercevoir anna kathir min an-nas, quand il parle de l'adl, il ne cite pas ce point. Alors que c'est le plus important. Quand il cite l'adl, la justice, il faut être juste envers les autres, tu dois respecter les autres et c'est tout. Nous, c'est plus vaste. Notre din, il est akmal, il est a'zam. Al-adlu fi huquqillah. On est juste, on n'exagère pas et on ne délaisse pas. Le juste milieu, on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit les ibadat maliyah, tout ce qui est lié à l'argent, on fait le hajj si on a les moyens, on sort la zakat si on a les moyens, ou le badaniya, as-salat, as-siyam, etc. Al-adl, sans exagérer, sans délaisser, sans démentir, wal-iyadu billah, là, on fait tout cela, on se rapproche, mahabbatan lillahi subhanahu wa ta'ala, wa raghbatan fi ma indahu azza wa jal. On espère la récompense et on aime cette ibadah. Et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a élevés et favorisés à la kathir min khalqih. Et kathir min al-nas, ils ne sont pas justes fi hada. Imma ils n'adorent pas Allah, imma ils exagèrent. Et ils adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa nahnu la. Et ba'd al-nas, ils adorent Allah, lakin avec de l'exagération, ils exagèrent. Nahnu notre ibadah, et c'est ça l'adl, c'est la sincérité. Et tu suis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'adl. Qala wa fi haqqi 'ibadihi wa ay fi haqqihi wa haqq 'ibadihi wa yu'amil al-khalq bil-'adl at-tam. Kadhalik, tu es juste envers le khalq. Ta'ammal kalam al-Sheikh Sa'di rahmatullah alayh. Il a pas dit al-'adl envers les musulmans. Il a dit envers le khalq. Là, tu dois juste être juste envers ton frère. Tu dois être juste avec le kafir. Tu dois être juste avec les animaux, avec chaque makhlouqa, la justice. Tu n'as pas le droit d'être injuste en tant que musulman. Qala fayuaddi kullu walin ma alayhi tahta wilayatihi sawa'un fi dhalik wilayat al-imam al-kubra wa wilayat al-qada
وَنَوَّابَ الْخَلِيفَ وَنَوَّابَ الْقَاضِي إِلَى آخر. Tu dois être juste et respecter ma شرعه الله سبحانه وتعالى. Enfin, tu donnes le haq à chacun. Tes voisins, ton gouverneur, tes parents, ton frère, ton professeur, tes élèves, ton ami, ton ennemi, chacun tu lui donnes son haq. Et tu es injuste envers personne. لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده. الله سبحانه وتعالى إلى أن تغضي لا جستيس أقصد. قال والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بالسلوك. لا question qu'on se pose, c'est quoi العدل؟ هنا بعض الناس بيقول la justice c'est tu dois pas dire fulan c'est un kafir. La justice c'est que tu fais ce que tu veux, tu lui imposes rien. C'est ça être juste. La justice, al-adlu huwa ma faradahu Allahu alayhim fi kitabih wa ala lisan rasulih. Être juste, c'est suivre le Coran ou la Sunna. Suivre autre que le Coran et la Sunna, c'est pas la justice, c'est le hawa. C'est suivre ses passions. Hakada, en tant que musulman qui suit le Coran ou la Sunna, on doit comprendre. لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل. إن الله يأمر بالعدل. الله nous a ordonné la justice. En même temps, Allah nous a ordonné des choses et interdit des choses. Est-ce que ça peut se contredire? Abadan. Ça te montre que l'adl qu'il a ordonné, c'est exactement les choses qu'il nous a ordonné et interdit. قال شيخ سعدي بعد ذلك ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعوضات. وسائر المعوضات. كذلك tu dois être juste في المعاملات. Que ça soit dans le commerce, que ça soit dans tout ce qui touche tes liens avec Al-Bashar. Commerce, mariage ou autre, tu dois être juste, tu dois respecter les conditions. Tu ne dois pas être injuste envers l'autre. Tu ne dois pas lui prendre ses biens. Tout ça, ce n'est pas min al-adl. Qala azza wa jal, wa la tabkhasu an-nas ashya'ahum wa la tufsidu fil ard ba'da islahiha. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'être injuste envers les gens. Il a dit nas, tu n'as pas le droit d'être injuste et prendre les biens de wahid. Al-fasad, c'est le contraire de l'adl. Qala azza wa jalla wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil adl. Et si tu juges envers des personnes, deux, trois ou plusieurs personnes, فتحكم تجوج بالعدل. T'as pas le droit de prendre position parce que c'est ton ami. T'as pas le droit de prendre position parce que tu le connais. Là, الحق c'est الحق. C'est ce qu'on appelle العدل, être juste. كذلك من محاسن هذا الدين, parmi les bienfaits de ce دين, أنه سدين الرحمة والأمن. قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ce nabi que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une rahma pour l'alami, une rahma pour tout le monde, ceux qui le suivent, ceux qui ont cru en son message et ils l'aiment, et ils aiment ceux qui ont suivi le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa Allah subhanahu wa ta'ala yirhamuhum, c'est une rahma. T'es gagnant en suivant ce din et t'es perdant en le combattant. قال وقال عز وجل لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. C'est une rahma. هذا الدين c'est pour ton bien, اخي الكريم. وحرم الله سبحانه وتعالى الفساد والظلم. Tout ce qui fait du mal, tout ce qui est contraire à la rahma, Allah subhanahu wa ta'ala harrama. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. تقدمت الايه. وقال عز وجل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الله يدتست الفساد. Et نحن en tant que musulmans on déteste الفساد, les injustices. وحرم الله سبحانه وتعالى قتل النفس بغير حق. من الفساد كذلك c'est de tuer injustement. قال عز وجل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
Ça fait partie de notre din. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى quand il l'a envoyé, c'est devenu une rahma pour أهل مكة, pour أهل المدينة, pour الجزيرة et pour العالمين, tous ceux qui ont accepté son message. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة. تأمل هذا الحديث pour te montrer أن هذا الدين il est complet. عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت. يوم القيامة, une femme, elle sera châtiée parce qu'elle a enfermé un chat. عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت. L'injustice envers les animaux, l'islam حرمة. بل ce hadith nous montre أن elle sera châtiée يوم القيامة. فالمسلم qui suit حقا الكتاب والسنة حتى les animaux il leur donne leur حق. Il n'est pas injuste. C'est une rahma. Cette femme, elle n'a pas eu de rahma envers ce chat. فدخلت فيها النار. Elle rentrera في النار à cause de ce chat qu'elle a enfermé بغير حق. لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Elle l'a enfermée et elle ne lui a pas donné à manger ni à boire. Elle lui a fait du mal, بغير حق. Alors que si elle aurait ouvert la porte, ce chat il serait sorti et il aurait mangé من خشاش الأرض. Et les choses qui traînent. Que ce soit insecte ou autre, le chat il aurait mangé. Lakin cette femme elle a été injuste. فتعذب يوم القيامة في النار. Elle sera châtiée. فالإسلام, ce chat il lui a donné son haq. Et en tant que musulman, t'as pas le droit d'être injuste. الحديث il est في الصحيحين. وحرم الإسلام كذلك الاعتداء على من أمنه المسلمون من أهل الذمة والعهود. كذلك الإسلام il nous a interdit de faire du mal à cette personne, c'est pas un musulman, lakin il a un ahd min ahl al-dhimma. Il vit dans un pays musulman et il est venu avec des accords avec le gouverneur, etc. On n'a pas le droit de lui faire du mal. Abadan. Qala sallallahu alayhi wa sallam man qatala mu'ahidan lam yarih raihat al-jannah wa in rihaha la yujad min masirati 40 aam. Il ne sentira pas l'odeur de l'Jannah, alors que l'odeur de l'Jannah, tu la sens à une distance de 40 ans. Hada, celui qui a tué ce mu'ahid, bighayr haqq, il l'a tué, hada, il rentre fi hada al-wa'id al-nabawi. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, salamu wa al-afiyah. Al-hadith il est sahih al-Bukhari. Fa ahlul ilm, wa salah, wa l'imam, bura'a min fi'l al-ta'ishin al-juhal, al-khawarij. Ça te montre que ces textes, Ahlul Ilm, Ahlul Iman, Al-Mu'minoun, Al-Salihin, ils sont contre tout ce qui se passe là. Fi'l Al-Khawarij, que ce soit Da'ish, Al-Qa'ida, Ha'oula, Al-Juhal. Ou qui que ce soit, ceux qui font Ahada. Na'am. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, Sayakhruj qawmun fi akhir al-zaman, Hudata'u al-Asna. Sufaha'u al-Ahlam. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré. Le musulman qui a l'aïb, il n'est pas étonné de tout ce qui se passe. Il le sait. Et la solution, il fait l'islam. La solution, ce n'est pas de combattre l'islam et de faire des amalgames comme ils font. Ce n'est pas ça la solution. Le Nabi Sassim nous a informé à la fin des temps, l'époque qu'on vit, des personnes, des jeunes, soufaha ou l'ahlam. C'est des soufaha. Et ils n'ont pas une raison saine, claire. Ils sont limités. Et qu'est-ce qu'ils sont jeunes? Ils n'ont pas étudié l'ilm. Ils n'ont pas connu les assises. Ils n'ont pas d'expérience. Juhal. Ils se précipitent. Fa'ishun. Qala yaqula min khayri qawl al-bariyya. Pourtant, ils prétendent et ils disent, ils utilisent des textes. Et des textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khayru al-bariyya. Khayr qawl. Na'am. Yaqul min khayri qawl al-bariyya. La yujawiz imanuhum hanajirahum. Leur iman ne dépassera pas leur hanajir. Leur gorge. Et l'iman, il n'est pas rentré dans le qalb. يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Ça nous montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est bari min ha'ula. Pourquoi كثير من الكفار الآن ils font pas de différence. لِمَالَ لِأَنَّا ils sont pas justes. Pourquoi ils sont pas justes? Parce que c'est pas des musulmans. Celui qui veut l'adl, l'adl al-haqiqi, il est fait l'islam. Amma, tout ce que tu vois, tout ce tapage médiatique, wallahi, c'est que pour le dunya.
Amma beaucoup de choses, ils savent très bien qu'ils sont injustes et que c'est pas le haq. Lakin ils le propagent, limada li annahu, c'est ça leur profite par rapport à dunya. Amma nahnu la, malgré l'injustice qu'ils font, on n'a pas le droit de répondre à l'injustice par l'injustice. On répond bi haq et on démontre le haq et on patiente. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa harrama kadhalik al islam, et ça c'est ça montre les bienfaits de notre din, al khuruj ala wali al amr. Alors que le kuffar, ils appellent exactement à l'inverse dans les pays des musulmans. Et le printemps arabe, c'est pas loin. On se rappelle tous de ce qui s'est passé. Amma l'islam nous a interdit de se rebeller contre le gouverneur musulman, même s'il est injuste, même s'il fait du mal. Pourquoi ? Pas pour approuver le mal qu'il fait. Là, c'est du mal, c'est du mal. Lakin pour préserver l'amn. Ou l'istiqrar, et la paix, la sécurité, la stabilité. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر من الله. Si tu es juste, si tu veux le haq, tu dois obéir à cet ordre. Tant que c'est un musulman, comme a قال النبي صلى الله عليه وسلم, عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. Même s'il te fait du mal, même si c'est difficile, il est injuste. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة. Obéis et ne te rebelle pas. Ça ne veut pas dire que tu lui obéis dans le shirk, dans le ma'asi. Là, la ta'a li makhlouq fi ma'asiyat al-khaliq. Lakin, l'obéissance, tu lui obéis dans l'obéissance et surtout tu ne te rebelles pas. وقال عليه الصلاة والسلام من كره من أميره شيئا فليصبر. L'islam, dînou l'islam, dînou l'haq, dînou l'adl, il nous appelle à patienter, pas à se rebeller, contrairement aux kuffars. Ils ont poussé les peuples arabes et les ont gonflés et les ont armés pour qu'ils se rebellent et l'un à le résultat. Ce qu'ils ont appelé le printemps arabe. Et l'un des milliers de morts et jusqu'à aujourd'hui dans certains pays, ça ne s'est pas arrêté. Pourquoi ? L'anna al-muslimin, fi hada al-hal, ils n'ont pas respecté leur dîn. Et ils n'ont pas obéi. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés par shirar al-khalq jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça te montre les bienfaits de din l'islam. Et ça te montre makr al-kafirin. Amma dans leur pays, là, ils font tout pour pas qu'il y ait les révoltes. Et chez nous, cette révolte, al-haqiqa, c'est effusion de sang, c'est injustice, c'est vol, viol, etc. Tout ce que ça implique, la rébellion. C'est devenu liberté, démocratie et pour nous libérer. Comme si on était des animaux sauvages. Alors que nous, on n'a pas besoin d'être libérés. On a notre din. Din haq. On a tout ce qu'il nous faut. Lakin l'ignorance et on a délaissé, ou certains de nos frères musulmans, ils ont délaissé l'essentiel, revenir au Coran et à la sunna. قال عليه الصلاة والسلام فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. Celui qui sort de l'obéissance du gouverneur, Shibr. Shibr, c'est une petite distance. Enfin, s'il meurt, il meurt à la jahiliya, wal'ayadu billah. C'est pas comme ils appellent Khawarij, annahum, ils font du mal, ils font des dégâts, ils se rebellent contre le gouverneur, ils font des injustices, et ils appellent al-shahid, le martyr, fulan. Il est mort à la shar. Surtout s'il était à la ilm. Enfin, c'est ça notre din. Kadhalik, parmi les mahasin de notre din, الإحسان إلى الخلق أنه on est bienfaisant envers les créatures, que ce soit des êtres humains ou des animaux. On montre le haq, on n'est pas injuste. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء وقال عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Même envers le kafir, tu as du ihsan, tu lui montres le haq, tu lui montres le haq, tu patientes s'il veut savoir le haq. Peut-être que tu seras le sabab de sa guider. Al-ihsan ila zawja. T'as du ihsan, t'es bienfaisant envers ta femme. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Al-hadith il est fi sunan al-tirmidhi wa ghayri. Alors qu'ils essayent de faire croire anna al-islam, ils sont injustes envers la femme. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que cette femme musulmane, elle devienne un objet, comme c'est le cas chez eux. Alors que nous, là, cette femme, elle est voilée, c'est pour la préserver. Elle est mariée, c'est pour la préserver.
elle est respectée, mu'azzaza, mukarrama. Al-ihsan ila al-jar wa al-dhayf. On est bienfaisant, on doit être bienfaisant envers le voisin. L'invité, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billah wal yawm al-akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billah wal yawm al-akhir falyukrim dhayfa. Al-hadith il est muttafaqun alayh an Abi Hurayra radiyallahu anhu. Al-ihsan ila al-masakin. Kadhalik, on est bienfaisant, on a de la pitié envers les pauvres. قال تعالى وآتي ذا القربى وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. نعم, que ce soit un proche, que ce soit un miskin, un pauvre ou un voyageur, on lui donne son حق. كذلك tout ce qui est lié avec la zakat, صدقة الفطر à la fin de Ramadan, tout ça c'est pour le miskin. كذلك من محاسن هذا الدين العفو. Parmi les bienfaits de notre dîn, c'est qu'on pardonne. قال تعالى وليعفوا وليصفحوا وقال عز وجل وأن تعفوا أقرب للتقوى. Tout ça c'est parmi les comportements que l'islam il nous ordonne, il nous encourage à faire des efforts. ومن محاسن هذا الدين كذلك parmi les bienfaits de l'islam الاجتماع على الحق وترك الفرقة وترك التحزب, les groupes qui divisent ça fait du mal. قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا وَلَا تَفَرَّقُوا. Lakin ce rassemblement, il doit être عَلَى الْحَقِّ, sur le Coran et le Sunnah. Pas sur un parti, pas sur une couleur, pas sur une origine. الْإِجْتِمَاعَ عَلَى الْحَقِّ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. أَمَّا se diviser en parti, en groupe, ça fait que nous affaiblir. لكن الاعتصام إلى عَلَى الْحَقِّ Coran ou Sunna ala fahm salaf al-umma. Et celui qui rejette ça, on ne peut pas se rassembler avec lui. Et cette faiblesse et cette division, c'est lui le responsable et c'est lui la cause. كذلك من محاسن هذا الدين التعاون على الخير. On s'entraide. On s'entraide avec nos frères musulmans. On s'entraide على الحق كذلك. On ne s'entraide pas sur les passions. La fin justifie les moyens. نعوذ بالله. قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال عز وجل في التعاون مع المديون. On donne un exemple d'entraide avec ceux qui ont des dettes. قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. Si il a une dette envers toi et il est en difficulté, فمن الإحسان, et ça montre les bienfaits de notre dîn, c'est que tu prolonges, tu lui laisses le temps. بل في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس يداين الناس أو نعم يداين الناس كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه. Il y avait un homme, c'était un commerçant et il prêtait de l'argent et il disait à ses proches, si un tel est en difficulté, فتجاوزوا عنه, aille effacer sa dette. Pourquoi? Et ça montre l'importance de niyya. لَعَلَّ اللَّهُ يَتَجَاوَزُ عَنَّا. Peut-être que si on efface ses dettes et on a cette miséricorde envers lui, malgré qu'il ait une dette envers nous, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonnera. قال عليه الصلاة والسلام فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ. Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Pourquoi? Parce qu'il a facilité aux autres. هذا, c'est ça notre dîn. C'est ça notre dîn. Et notre dîn, il est fondé sur ces points importants. فَحْذَرْ أَخِي الْكَرِيمِ مِنْ تَشْوِيشْ أَعْدَاءِ اللَّهِ. Fais attention, al-kuffar, ils ne veulent pas ton bien. Fais attention de ne pas prendre ton dîn des médias. Tu ne prends pas ton dîn des gens de la rue, des ignorants. Ils parlent nuit et jour, ils ont fait ça, ça c'est pas bien. Reviens aux sources. Et tu comprendras très vite que tout ce qui se passe, que ce soit les rébellions, les attentats, tout ça, ça n'a rien à voir avec notre dîn. Ben notre dîn est mis en garde. Et tu t'apercevras très vite que les koufars, ils appuient beaucoup de ces choses que tu prétends que c'est les musulmans qui font ou qu'ils approuvent. Fahmadillah, ala hadhihi an-ni'ma al-azima. Fais des efforts dans ton dîn, apprends ton dîn, fréquente les gens qui donnent de l'importance à ce dîn. Wala taghtar bi zakharif hadhihi ad-dunya. Et ne te fais pas avoir par les plaisirs, par la fitna de cette dunya. فالآخرة خير وأبقى.
Et inshallah, dans la risala qu'on va lire, on va détailler. Cheikh Saadi va citer plusieurs points pour montrer les bienfaits de notre din, des points qu'on a cités ou autres. Wa nas'allah subhanahu wa ta'ala al-i'ana wa tawfiq. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.